الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Muslim, rahimahullah, rapporte dans son authentique, selon Abu Huraira, radiallahu anhu, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Ad-dunya, ce bas monde, est la prison des croyants, et le paradis des mécréants. » Ad-dunya, ce bas monde, quelle que soit l'importance, la grandeur de ses bienfaits, de ses délices, de ses jouissances est une prison pour le croyant, dans la mesure où le croyant convoite à un bienfait plus grand, plus parfait et plus élevé auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. De plus, le croyant, quelle que soit son aisance, quels que soient les bienfaits dans lesquels elle baigne dans ce bas monde, il ne s'y attache pas fortement. Car il sait, le cœur attaché à Dieu subhanahu wa ta'ala et la vie dernière, il sait que ce que Dieu subhanahu wa ta'ala a réservé, a préparé pour son adorateur est bien meilleur. De même, le mécréant, quels que soient les bienfaits et les délices dans lesquels il baigne, ce n'est rien par rapport à ce qui attend le mécréant dans la vie dernière en enfer. Que Dieu nous préserve. La jouissance, les bienfaits de ce bas monde sont sans commune mesure par rapport aux bienfaits et par rapport aux jouissances de la vie dernière. De même, les malheurs, les épreuves de ce bas monde sont sans commune mesure avec les souffrances et le châtiment qui attend le mécréant dans la vie dernière. Ibn Hajar, rahimahullah, ce grand savant, il passait une fois
sur sa monture, bien habillé, entouré de ses servants, de ses subordonnés. Il était à son époque le juge suprême, un homme, un juif, l'arrête et lui dit: votre prophète dit que cette vie ici-bas, ce beau monde, est la prison des croyants et le paradis des mécréants. Alors que tu es dans cet état, dans cette opulence, dans cet honneur, dans ce prestige, alors que lui était un homme pauvre, il est où donc le paradis et il est où donc l'enfer? Il est où la prison et il est où le paradis? Ibn Hajar, rahimahullah, de répondre: tout ce que tu vois comme bienfait, comme grâce, comme jouissance, n'est rien par rapport à ce que Dieu subhanahu wa ta'ala a préparé pour le croyant dans la vie dernière. Et tout ce que tu vois comme misère, comme adversité, n'est rien par rapport à ce qui attend le mécréant dans la vie dernière. Cette parole a touché cet homme qui a embrassé aussitôt l'islam. Ces propos de l'imam Ibn Hajar, rahimahullah, trouvent leur appui, leur fondement dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par l'imam Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le jour de la résurrection, on amènera celui parmi les gens de l'enfer, les gens destinés à l'enfer, celui qui aura été le plus comblé par les biens dans ce bas monde. Puis on le plongera en enfer un instant, puis on lui demandera: ô fils d'Adam, as-tu connu une quelconque bien, un quelconque délice sur terre? Il dira: non, par Dieu, ô Seigneur. Puis on amènera celui parmi les gens du paradis, les gens destinés au paradis, celui qui aura souffert le plus sur terre. Et on lui demandera: ô fils d'Adam, as-tu connu une quelconque misère? As-tu connu une quelconque infortune sur terre? Il dira: non, par Dieu, ô Seigneur. Celui qui aura été le plus comblé par les bienfaits dans ce bon monde, une fois plongé en enfer, il oubliera tous les bienfaits, tous les délices qu'il aura connus dans ce bon monde. De même, celui qui aura souffert le plus dans ce bon monde, une fois plongé au paradis, oubliera tous les malheurs, les épreuves de ce bon monde. Ad-dunya n'a aucune valeur au prix de Dieu subhanahu wa ta'ala. Le croyant doit donc faire de la vie dernière, la vie éternelle, sa préoccupation majeure. Il ressort de ce hadith une consolation pour le croyant qui pourrait être touché dans cette vie ici-bas par des épreuves, par des malheurs, lorsqu'il est certain que dunya, ce bas monde, est la prison du croyant et qu'il n'y a pas de repos sur terre, et que ce que Dieu subhanahu wa ta'ala a préparé pour son serviteur, son adorateur,
est bien meilleur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: quelle importance pourrais-je donner à ce bas monde, à cette vie ici-bas? Je ne suis vis-à-vis de ce bas monde que comme un cavalier qui s'est arrêté à l'ombre d'un arbre, puis l'a délaissé en repartant. Il nous dit aussi: cette vie ici-bas, ce bas monde, comparé à la vie dernière, est comme ce que peut retirer l'un d'entre vous lorsqu'il trempe son doigt dans la mer. Il ne peut revenir qu'avec quelques gouttes. C'est ça la réalité de cette vie ici-bas. Cette vie ici-bas, ce bas monde, est une épreuve pour le croyant. Et le croyant ne peut se reposer qu'une fois rencontré son Seigneur. Comme il a dit Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il a dit: le croyant n'a pas de repos avant la rencontre de son Seigneur. Et lorsqu'on a demandé à Ahmed ibn Hanbal: quand est-ce que le croyant peut se reposer? Il a dit, rahimahullah, lorsqu'il entrera au paradis, lorsqu'il pose son pied au paradis, à ce moment-là, il peut se reposer. Abu Qatada, radiyallahu anhu, rapporte qu'un convoi funéraire est passé à côté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de dire: reposez au reposant. Les compagnons demandèrent au messager de Dieu: c'est quoi le reposer, c'est quoi le reposant? Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam: lorsque le croyant meurt, il se repose des souffrances, des épreuves, de l'adversité de ce moment. Et il accède à la miséricorde de Dieu subhanahu wa ta'ala. En revanche, le pervers, l'injuste, lorsqu'il meurt, toutes les créatures, les humains, les animaux, l'environnement, la planète tout entière se repose de lui, se repose de ses méfaits. Lorsque Daoud al-Ta'i, ce grand savant, ce grand homme pieux, deuxième siècle de l'Hégire, décède, un homme pieux, l'a vu dans un songe. Il le voit en train de marcher très vite, à une grande allure. Il lui demande pourquoi il s'empresse, pourquoi il marche très vite. Il dit: à l'instant, je sors de la prison. Cet homme ne savait pas encore que Daoud Ta'i est décédé. Donc il n'a pas compris ce que Daoud Ta'i voulait dire par « je sors à l'instant de la prison ». Lorsqu'il se réveille, il entend des cris, des gens qui pleuraient, et apprend la nouvelle, apprend que Daoud Ta'i est décédé. Et à ce moment-là, il a compris le sens de cette phrase, que Sijn, la prison dont parlait Daoud Ta'i, dans ce rêve, c'est Dunya. Comme il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce bon monde est la prison des croyants. Ce qu'il faut aussi comprendre de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ad-dunya sijnul mu'min jannatul kafir, ce bon monde est la prison des croyants et le paradis des mécréants, c'est que le croyant
il est lié, encadré par la religion. Il ne peut pas agir à sa guise, mais il doit se conformer aux règles de la religion. Même s'il est dans l'aisance, il ne doit pas tirer profit des bienfaits de ce bon monde que dans la limite de ce que la religion autorise. De plus, il est appelé à faire l'effort afin d'accomplir l'adoration. Alors que le mécréant, il ne se fixe pas de limite. Il suit ses désirs, il suit ses passions. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le paradis est entouré par des contraintes. Parce que le croyant, il doit faire l'effort, il doit lutter contre son nefs afin d'accomplir les adorations, afin de ne pas transgresser les limites de Dieu subhanahu wa ta'ala. Le paradis est entouré par les contraintes, alors que l'enfer est entouré par les passions, par les désirs. Ce qu'il faut retirer de ce hadith du prophète, très important, c'est que le croyant doit intégrer cette donnée, cette réalité, dans sa vision, dans sa conception de ce bas monde, afin qu'il guide son entreprise, oriente ses préoccupations et allège ses souffrances. صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وباركنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك الشر وسوء ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا برحمتك أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا آخرتنا التي إليها معادنا برحمتك أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا بعنايتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ومن سيء الأسقام ومن سيء الأسقام. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا يا سيدنا يا مولانا. اللهم ارفع عنا مقتك وغضبك. اللهم ارفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.